Qui n'a pas le doux souvenir d'enfance, de la lecture d'une belle histoire avec papa ou maman juste avant d'aller dormir, ou encore d'avoir lu et relu des dizaines de fois son livre préféré au point d'en user les pages à la corde? Lire te paraissait si simple et naturel à cette époque-là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la seule vue d'un livre te fait cogner des clous? Que lire au-delà de 3 pages est un combat ultime de concentration? Que l'annonce d'une lecture obligatoire par ton prof te donne de l'urticaire? Que d'essayer de mémoriser des éléments dans un texte te fait l'effet d'avoir 112 ans? Bon, il faut quand même l'admettre, les temps ont changé. Entre le cellulaire qui vibre, le texto qui sonne, l'écran qui flash et le réseau social qui pop, la lecture est plus que jamais présente. Mais peut-être que celle d'un bon vieux texte imprimé peut paraître moins attrayante. Et pourtant, l'action de lire engendre une foule de bienfaits. Ça stimule le cerveau, améliore la mémoire, diminue le stress, développe la concentration. Et puis, ben, comme t'es encore à l'école, que c'est le prof qui décide et que les lectures obligatoires font partie de ton quotidien, aussi bien avoir du plaisir à le faire. Mais pour y arriver, tu as besoin de stratégies qui vont t'aider à mieux comprendre ce que tu lis et ainsi à réduire ton temps d'étude, à mieux performer dans tes examens et à faciliter l'application de principes techniques. Au fond, c'est simple. Tu as juste à trouver la méthode qui te convient. On en a plusieurs pour toi et ça se passe en 3 chapitres. L'action de lire exige à ton cerveau de faire un effort de compréhension et de concentration. Tu dois donc être sympathique à sa cause et adopter pour lui les 5 conditions physiques et mentales suivantes. Premièrement, la position de lecture. Le trio futon, coton ouaté, sac de chips est certainement pas celui qui envoie à ton cerveau le signal qu'un effort soutenu de concentration est à venir. Pour t'assurer de garder le focus, choisis plutôt une position qui incite à la tâche, comme une chaise droite et pas trop confortable. Deuxièmement, les sources de bruit. C'est prouvé. Étudier devant la télé, pendant une discussion entre amis ou avec un cellulaire qui sonne aux 2 minutes, c'est extrêmement divertissant. Mais ça marche pas. Pour prioriser ta lecture, éloigne-toi des sources de bruit et recherche un endroit calme et isolé. Troisièmement, l'éclairage. Lire dans un vieux grenier sombre, sur le rebord d'une fenêtre qui craque, à la lueur d'une chandelle vacillante, ça fonctionne pour un roman d'Agatha Christie. Mais pour lire les principes de l'existentialisme dans le cadre de ton cours de philo 101, c'est peut-être moins efficace. Pour optimiser ta concentration et éviter la fatigue des yeux, assure-toi d'un éclairage adéquat. Quatrièmement, la disponibilité. Il te reste 30 minutes avant de t'habiller, souper, nourrir ton chat, arroser tes plantes et finalement courir voir le spectacle de ton groupe préféré que t'attends depuis des mois. C'est peut-être pas le meilleur moment pour réviser tes notes de cours. Avant d'entreprendre une lecture, assure-toi d'être disponible mentalement et d'avoir suffisamment de temps devant toi pour t'investir pleinement. Cinquièmement, l'approche du texte. Entre un article scientifique sur la découverte d'un médicament et un livre sur l'histoire de la poésie du Moyen Âge, ton approche du texte ne sera certainement pas la même. En prévision d'une lecture, prends d'abord connaissance du type de texte que tu as devant toi. Ensuite, essaie d'identifier le contexte de la lecture en observant des éléments clés comme le 4e de couverture, le nom de l'auteur, les images et l'épaisseur des pages. Tu peux aussi lire la préface et les titres des chapitres. Ces différents aspects vont te permettre d'appréhender ta lecture et de bien t'y préparer mentalement. Une fois les conditions de prélecture en place, tu dois te lancer, faire face à l'épreuve ultime, parcourir avec courage et endurance des pages et des pages de texte qui exigent à la fois concentration, réflexion et mémorisation. Un peu comme le trajet d'un long marathon qui s'étend devant toi. Mais comment y parvenir sans baisser les bras avant la ligne d'arrivée? C'est ici qu'entre en jeu la méthode infaillible des athlètes du texte, la lecture active. Cette technique permet de rendre efficace la lecture d'un texte en mettant ton corps en action. Comme tout coureur a besoin de bons espadrilles, le lecteur actif, lui, est muni de 2 outils indispensables, le crayon et le marqueur. Voici 3 façons de les utiliser activement. 1. Surligner les passages du texte qui doivent être retenus. Seulement les éléments importants? Oui, ça correspond à environ 10% du contenu total. Merci.
2. S'approprier un espace ultra pratique qu'on a tendance à sous-estimer, la marge. La marge est en fait ta meilleure alliée. Utilise-la pour noter des mots-clés qui résument l'essentiel d'un paragraphe, pour inscrire la définition d'un terme qui jusque-là t'était encore inconnu et que t'as pris l'initiative de chercher, ou encore pour faire jaillir le Picasso qui sommeille en toi et dessiner tes propres symboles. Une étoile pourrait par exemple signifier qu'une information est susceptible de faire l'objet d'une question d'examen, tandis qu'un cœur pourrait vouloir dire qu'un passage du texte t'a particulièrement interpellé. 3. Créer des fiches qui résument en quelques lignes le contenu d'un paragraphe, d'une page, d'un chapitre ou encore qui synthétisent des thèmes importants abordés dans le texte. Et la bonne nouvelle, c'est que la lecture active peut s'appliquer à tous les types de textes, même les questions d'examen. Tu sais, la fois où t'as perdu 10 points inutilement parce que t'as lu distraitement, lu trop vite, mal lu ou lu pas complètement la fameuse question numéro 22 de l'examen de bio? La lecture active peut éviter que ça se reproduise. Parce que les questions d'examen sont elles aussi une forme de texte que tu dois parvenir à décoder pour ensuite bien répondre. Pour y arriver, tu peux surligner au marqueur des éléments importants, inscrire des notes dans la marge, numéroter les sous-questions ou encore identifier le choix du verbe qui formule la question. Ça, ça pourra te donner un bon indice du type de réponse recherchée. Une question d'examen qui débute par exemple par le verbe « analyser » signifie de décomposer un tout et de comprendre le rapport entre les diverses parties. Tandis que le verbe « définir » exige pour sa part d'expliquer le sens d'un mot ou d'un concept. T'as terminé l'examen et t'as encore du temps devant toi? Ça tombe bien. Profites-en pour relire les questions et réviser tes annotations. C'est l'assurance finale d'avoir bien répondu et la garantie ultime de ne plus revivre le drame de la fameuse question numéro 22 de l'examen de bio. Le marathon de lecture est maintenant presque terminé. Le défi était considérable, mais avec les bonnes stratégies, tu t'es rendu au fil d'arrivée. Sauf qu'avant d'aller récupérer ta médaille, il te reste un dernier effort à fournir. Celui de permettre à ton cerveau de valider sa compréhension et de bien stocker les éléments clés sur le disque dur de ta mémoire. Voici 3 méthodes de sauvegarde post-lecture. 1. Repasser en entier tes notes, symboles, passages surlignés et fiches résumées pour permettre à ta mémoire d'en faire une dernière copie de sécurité. 2. Réviser et reformuler les notions clés. Tu peux même le faire à voix haute. Il s'agit d'un excellent moyen d'apprentissage et, selon certaines études, d'un signe d'intelligence supérieure. 3. Établir des liens entre le contenu important de ta lecture et les différents concepts du cours qui sont en lien avec celle-ci. C'est le moment de valider la théorie apprise en comparant des principes, en posant des questions et en associant des idées. En fait, c'est la partie qui, une fois en classe, va te permettre d'impressionner ton prof. C'est ici que prend fin ton cours 101 de lecture efficace. Comme tu peux le constater, les méthodes et stratégies sont nombreuses et diversifiées. Il en vient maintenant à toi de choisir celles qui te conviennent le mieux, de te les approprier et d'entamer le nouveau chapitre de ta vie de lecteur actif, paré à toute épreuve.